D'accord, donc salam alaikum. Donc, كيف ما اتفقنا ان الموديول اللي بقى entre nous اللي هو الموديول دو ميتري غادي يدار في لي سيركونستانس اللي حنا كنعيشوها دونك غادي نديرها سو فورم دو فيديو. وكنتمنى ان هاد لا ميثود زعما تكون افيكاس وتكون براتيك بالنسبه لكم. بيان سور ما كاينش شي حاجه كتعوض الكور ديالنا فاس ا فاس، مي كي قلت لكم اون بو ريان فير، دونك تنحاولوا لو ماكسيموم نخدموا بلي مويان دو بور باش نقدروا نسيرمونتيو هاد لا سيتوياسيون اللي حنا تنعيشوها. داكوغ، دونك كيف قلت لكم الموديول ديالنا، دونك لو ديرني موديول سي لو موديول ان 13. لو موديول ان 13 سي il s'appelle établissement, il est intitulé établissement des maîtres. Donc, neuf la méthode, donc toujours il faut essayer d'expliquer c'est quoi le module, donc ça sert à quoi le module, quel est l'objectif final, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire dedans, d'accord. Après, bien sûr, on va aller vers le détail. Donc, tout d'abord, je commence par l'intitulé, donc c'est N13, donc l'ordre du module, donc c'est le dernier module technique dans la filière, dans le programme de la filière CTTP. Donc établissement de maîtrise, donc établissement de maîtrise. Donc déjà je prends le mot établissement. Donc vous avez établissement, ça vient du verbe, d'accord, ça vient du verbe établir. Donc ça vient du verbe établir. Et on dit je vais établir par exemple un rapport ou bien un devis, d'accord. Donc ça veut dire quoi établir? Ça veut dire réaliser. Donc on va réaliser, c'est un verbe d'action, d'accord. Donc établir, ça veut dire réaliser, d'accord. Ça veut dire aussi effectuer, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on va effectuer? Donc effectivement, on va effectuer les maîtres. On va faire un maître. Et le mot maître, donc ça vient du maître déjà. Donc quand tu dis tu vas utiliser un maître, c'est pour mesurer. D'accord? Donc, mettre quelque chose, ça veut dire mesurer. C'est-à-dire que nous, dans ce module-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer des mesures. Des mesures, bien sûr, des mesures liées aux ouvrages d'art. Donc, qu'est-ce qu'on va mesurer exactement? Donc, on va mesurer les quantités. D'accord? Des quantités. On va effectuer des calculs de quantité de matière. Les quantités. Les quantités de quoi? Les quantités de quoi? Ce sont les quantités de matière. Donc les quantités de matière ou bien de matériaux. De matériaux. Quels matériaux? Ce sont les matériaux qu'on utilise pour réaliser une structure. Maintenant, je prends un exemple. Je veux réaliser un bâtiment, donc je vais me dire quels sont les matériaux que j'aurai besoin pour réaliser ce bâtiment, d'accord? Ou je vais essayer de quantifier là le volume de ces matériaux, la quantité de ces matériaux, d'accord? Donc c'est les matériaux de quoi? Les matériaux utilisés, d'accord? Utilisés, d'accord? Dans la construction d'un ouvrage X. Donc un ouvrage X, ça veut dire ça peut être un bâtiment, ça peut être autre chose, d'accord, une route, ça peut être un barrage, ça peut être un pont, ainsi de suite, d'accord. Donc maintenant, pour calculer les quantités de matériaux nécessaires pour réaliser une structure, donc bien sûr je dois passer par des calculs, par des mesures, d'accord. Par exemple, si je prends par exemple je prends par exemple un élément de construction, je prends par exemple un poteau, donc je prends un poteau ici, d'accord, qui a la forme suivante. Donc ça c'est un poteau qui a 30, 25 et 3 mètres de hauteur, d'accord, en béton armé. Donc bien sûr, pour calculer la quantité de matériaux utilisés pour ce poteau,
qu'est-ce que je dois faire? Donc, premièrement, je dois savoir quels sont les matériaux utilisés pour réaliser ce poteau. Donc, bien sûr, j'ai ici, c'est un poteau en béton et armé. Ce qui fait, j'ai deux matériaux. J'ai le béton, d'accord, plus l'acier, qui est les armatures. Donc, j'ai plus l'acier, d'accord? Donc, pour calculer la quantité de matériaux, je dois calculer la quantité de béton et la quantité de l'acier. D'accord? Donc, on va essayer maintenant de se contenter de calculer la quantité de béton. Donc, on va parler que maintenant pour un exemple, d'accord, pour simplifier. Donc, je vais prendre la quantité de béton. Maintenant, si je vous demande, d'accord, de calculer la quantité de béton nécessaire pour réaliser ce poteau, qu'est-ce que vous allez faire? Bien sûr, vous allez essayer de calculer le volume. Mais avant de calculer le volume de béton nécessaire pour ce poteau, pourquoi vous avez dit qu'il faut calculer un volume? D'accord? Pourquoi vous avez utilisé comme, vous avez choisi comme unité de calcul le mètre cube? Donc c'est ça, c'est que premièrement, avant de calculer la quantité d'un matériau, il faut se demander, et les calculer en quelle unité? Donc quelle est l'unité de mesurage? Ça c'est la première des choses, donc je vais la noter ici. Donc la première des choses, c'est de connaître le type de matériau. D'accord? Donc, pour faire un mètre, je dois connaître premièrement le type de matériau. Donc, est-ce que j'ai des bétons, j'ai de la maçonnerie, des briques, d'accord, des agglos, j'ai des glaciers, de l'enduit, ainsi de suite. D'accord. Et deuxièmement, chercher l'unité de mesurage. L'unité de mesurage. Mesure. C'est-à-dire, est-ce que je vais calculer ça en mètres carrés? Ou bien en mètre cube, ou bien en mètre linéaire, ou bien en kilogramme, ainsi de suite. D'accord? Donc ici, je vais demander, le béton, il est calculé en quelle unité? Bien sûr, il est calculé en mètre cube. Pourquoi en mètre cube? Parce qu'il se vend en mètre cube. D'accord? Bon, il se vend en mètre cube. On a déjà vu ça dans la formulation de béton. Donc quand on établit une formulation de béton, on l'a établi pour un mètre cube de béton. Donc quand tu vas demander le béton, quand tu vas fabriquer le béton, tu vas le fabriquer pour une quantité en mètre cube. C'est-à-dire, il faut calculer le volume de béton. Donc je reviens ici. Tu as la quantité de béton nécessaire pour réaliser ce poteau. C'est quoi? C'est le volume, en fait. C'est un volume, d'accord, de cette forme géométrique. D'accord? A, B, C, D, E, F, G, H. C'est quoi cette forme géométrique? Donc là, bien sûr, après l'unité de mesurage, donc j'ai défini que c'est un volume, je dois connaître quoi aussi? Je dois connaître le type de forme, je dois connaître la forme géométrique. D'accord? Donc c'est quelle forme géométrique? D'accord? Donc ici, j'ai un parallélopipède rectangulaire. Donc pourquoi je dois connaître la forme géométrique? Parce que j'ai besoin d'une formule. Donc, pour trouver la formule de calcul, pour chercher la formule de calcul, d'accord, bien sûr, il faut tout d'abord connaître la forme géométrique. D'accord. Donc, j'ai ça, c'est un appareil parallélopipède rectangulaire. Donc, je sais que c'est quoi le volume biallo, c'est quoi? C'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. D'accord. Donc, et je vais essayer de trouver grand L, petit L et H. Donc ici, dans ce croquis-là, donc j'ai bien sûr la longueur, c'est quoi? D'accord? Donc nous avons déjà la hauteur, c'est ça. La hauteur, c'est ça. Toujours la hauteur pour avoir des personnes qui ont des difficultés pour différencier entre la longueur, la largeur ou la hauteur. On a déjà la hauteur. Donc à Colomzien, on a la hauteur, c'est quoi? C'est toujours la projection orthogonale sur une ligne droite, sur une ligne horizontale. Ça veut dire que ayez dimension en perpendiculaire avec la ligne horizontale, d'accord, avec l'horizontale ici, c'est une hauteur. Donc ça, d'accord, c'est comme si on dit un repère ici, OX, d'accord, donc O, ça c'est Z, ça c'est X par exemple, et ça c'est Y. Donc tout ce qui est, toutes les notations qui sont parallèles avec OZ, d'accord, ce sont des hauteurs. Après deux cotations, deux dimensions. Donc la plus petite c'est la largeur et la plus grande c'est la hauteur, c'est la longueur. D'accord? Donc ici, où est la longueur, c'est C30. Où est la largeur, c'est C25. Mais bien sûr, avant de faire les calculs, je dois
Bien sûr, il faut que les dimensions sont et qu'on offre la même et qu'on nomme la même unité de mesure, c'est-à-dire la même unité. D'accord? Donc j'ai ici 3 mètres, j'ai ici 25 et 30 cm, donc je ne peux pas faire 3 fois 30 fois 25. Je dois convertir le centimètre en mètre. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire ici? J'aurai L qui est quoi? C'est 30 cm, c'est-à-dire 0,30 fois la largeur qui est 25, donc fois 0,25 et fois la hauteur c'est 3 mètres. Vous pouvez estimer le coût? Comment? D'accord? Donc c'est simple, c'est très simple. D'accord? Donc j'ai la quantité, j'ai le coût est égal à quoi? Est égal à la quantité fois le prix unitaire. D'accord? Donc tu vas prendre la quantité que tu as calculée, tu vas la multiplier par le prix unitaire. C'est quoi le prix unitaire? C'est-à-dire, par exemple, pour le béton, tu as 0,234 mètres cubes. Je vais chercher 1 mètre cube de béton. D'accord? Il vaut combien, on dira? Si je mets, par exemple, bien sûr, je prends un exemple, ça vaut par exemple 800 dirhams. D'accord? Donc je vais faire quoi ici? Donc j'aurai le coût ici. D'accord? J'aurai le coût ici. D'accord, est égal à quoi? Donc, est égal à la quantité. Est égal à la quantité. Donc, 0,234 fois 800. D'accord? Donc, j'ai oublié de ramener ma calculatrice. D'accord? Mais ce n'est pas grave. Donc, 8 fois 4, ça fait 32. Donc, c'est ça, 32. 32. 32. Non, donc 33, 3, 32, d'accord. 8 fois 3, 24, plus 2, plus 2, 24, plus 4, ça veut dire 26, d'accord. 26, donc je mets 2. Et 8 fois 2, ça fait 16, et 16 plus, c'est 18. D'accord, donc j'ai ici 0, donc ça, normalement, ça va donner avec les 800. Donc ici, j'ai les 800 ici. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, normalement c'est ça. D'accord? Donc bien sûr, on va vérifier les calculs par la suite. D'accord? Donc c'est ça. Donc si je veux récapituler tout ça, on va dire que l'établissement de maîtrise, l'objectif c'est quoi? Établissement de maîtrise, ça veut dire réaliser des quantités. C'est calculer la quantité des matériaux utilisés pour réaliser une structure. Comment je vais faire? Donc bien sûr, par un calcul de volume, de surface et de périmètre des fois. D'accord? Ou bien de poids. C'est pourquoi je vous ai donné la série numéro 1. Donc, ça va vous aider à mémoriser un peu les formules de calcul de surface, de l'air et de périmètre. Surtout dans le cas où vous avez des formes qui sont irrégulières. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, l'objectif de tout ça, c'est quoi? Donc, c'est d'estimer le coût total d'une construction. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair déjà pour l'objectif de ce module. D'accord? Maintenant, bien sûr, je vais vous donner déjà. Le plan, d'accord, le plan qu'on va suivre pour faire ça, d'accord. Donc le plan qu'on va faire, donc j'ai ici le plan, j'ai ici le plan, d'accord. Donc le plan de module. Donc j'ai le plan de module. Donc premièrement, on va voir le métier de maîtreur. Vous avez le métier. Du maîtreur. Donc bien sûr la personne qui fait le maîtrise s'appelle un maîtreur. D'accord? Donc le métier de maîtreur. Nous avons deuxièmement, on va voir les actes de maîtrise. Donc les actes de maîtrise. Les actes de maîtrise. Troisièmement, on va voir la présentation, d'accord? La présentation et la rédaction de la feuille de maîtrise. De la feuille.
paramétrée. Et la troisième, la quatrième partie, on va voir bien sûr les applications de ça. Donc les applications, on va faire un ensemble d'exercices, d'accord, sur les applications de ça, d'accord. Donc on va voir le calcul de maîtrée de terrassement, donc le maîtrée de grosseur, bétonnage, maçonnerie, ainsi de suite. On va faire aussi le bordereau. Donc le bordereau de des aciers. Et troisièmement, on va voir aussi le maître de coffrage. D'accord? Donc c'est tout pour cette première vidéo. Donc écoute, je vais enchaîner vidéo, partie par partie, d'accord? Et bien sûr, il y a quand même des questions ainsi de suite. Donc bien sûr, vous avez le numéro de WhatsApp, puis vous avez aussi l'application, vous avez aussi mon mail pour me communiquer, d'accord, vos questions et vos d'accord, si vous avez chargé les mafem jouages, bien sûr, là je suis là pour répondre, d'accord. Donc à la prochaine vidéo.